Salut à tous, c'est Zitak. Dans cette vidéo, on continue l'aventure sur Road Maintenance Simulator. C'est parti, on va faire une nouvelle mission. On va faire marquage au sol, donc le marquage il a disparu. Il est quasiment effacé, donc on va voir ça. Ça a l'air plutôt intéressant. Donc c'est parti. Alors, prendre le véhicule avec le système d'avertissement. Ok. Donc c'est ça. Ok, donc c'est toujours le même. Hein. Celui qu'on avait déjà la dernière fois. Alors... Oula. Je sais même plus c'est quoi elle touche le gyro. Ah, c'est ça. Ok. Nickel. Ouvrir le haillon. Ok. Ensuite, il faut qu'on charge les barrières qui sont là. Ok, nickel. On met ça là-dedans. Il en faut 4. Ok. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, fermer le haillon. Garer le véhicule sur la zone de travail. Mettre le système d'avertissement sur X. Ok. Donc on s'arrête là, on met flèche du bas, on met sur F, ok, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ouais, il y a effectivement la croix. Tac, on prend une barrière qu'on va mettre ici, ok. Ensuite, on prend une deuxième. Faut la mettre tout là-bas, ok. Ok, on la met là, donc nickel. Là, on est comme ça. Ok. Donc là, il faut qu'on active la fixation du véhicule. Donc, je pense que c'est ça. Ok, elle est très très bien fait. En tout cas, hein, vraiment, le modèle 3D du véhicule, il est super bien fait. On monte dessus. On démarre, donc on a une vue de derrière. Ok. On peut allumer les gyros. C'est un peu bizarre ces gyros, ok. Au-dessus, je sais pas ce que c'est tout ça là. Ok, c'est très sympa hein, en tout cas. Donc, comment ça se conduit ça? Ok, c'est assez chelou. On va se mettre un peu droit quand même. Hein. Voilà. Donc là, on est plutôt bon. Et ensuite, du coup, il faut qu'on appuie sur Q.
après B, après E, et après il faut qu'on fasse quoi là? Donc il faut avancer. Ok, donc là, là ça pince, c'est ça? Ok, nickel. Ah ouais, c'est top, hein. Donc là, sapin. Effectivement, sapin. Ah ouais, c'est super, hein, franchement. C'est nickel, hein. Assurez-vous d'être à la bonne distance. Ouais. Je pense. On a bien fait là. Tac, 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 tac. Ah, c'est nice, hein. C'est super, franchement, comme activité, c'est super cool, hein. C'est la première fois qu'on voit ça. La machine, elle est géniale. Ça fait plaisir. Vraiment, le truc devant, je pense, c'est pour se repérer un peu de où ça va asperger, je pense. Ah, c'est top, hein. Vraiment, comme activité, c'est super top. Tac, 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 tac. Et je pense qu'il y a encore ici à faire, et après, c'est bon. La route elle est de nouveau faite. Bon, il y a un bouchon, hein. Il y a un bouchon. Donc là on peut appuyer sur E. On peut appuyer sur Q. Ok. Ensuite garer le véhicule à l'endroit désigné. Ok. Donc on va là. Nickel. On appuie là-dessus. Non, franchement, elle est top, hein. La machine là, elle est top, hein. Rien à redire. C'est super cette machine. Elle est vraiment top de chez top. On va décharger tout ça à nouveau. Ok. On décharge les barrières. Tac. Tac. Tout est rangé de nouveau à sa place. Tac. Et tac, nickel. Et maintenant, on ferme le rayon. On va là, on démarre tout ça et on va ranger du coup le véhicule. Et on va du coup s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait du coup la mission du jour. Vraiment, ça fait plaisir. Très très bonne mission. Rien à redire. C'était vraiment une super mission. J'ai bien aimé la faire. J'ai vraiment kiffé. Franchement, super expérience. Donc voilà, mission accomplie. Bombe de peinture. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Personnellement, c'est pour le moment la mission que j'ai le plus préférée. Bien entendu, dans les prochaines vidéos, on découvrira toutes les missions qu'on peut faire, avec notamment les véhicules qui sont là. Mais là, vraiment, c'était super. Hein. Le faire de ma le marquage, c'était un peu un rêve de gosse. C'était un peu un truc qu'on n'a jamais vu dans les jeux vidéo. Hein. Donc, vraiment, c'est ce qui permet justement d'apporter
comme nouveauté et comme exclusivité entre guillemets à ce jeu là, donc ça fait super plaisir vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fois prochaine, ciao tout le monde.